Salut, vendredi matin, je suis décalquée. Il est 9h15 pour vous dire, je me réveille jamais aussi tard. Mais voilà, je crois que je suis bien bien malade. Heureusement que je suis dans cet état aujourd'hui et pas hier. Je vais prendre ma température parce que je me sens quand même particulièrement chaude chaude et je vais également déjeuner là. Je sais pas si vous l'entendez. On a un bébé qui est en train de déjeuner aussi. Donc, je répète, je déjeune. Non, j'ouvre les... Non. J'ouvre les volets, je prends ma température et je déjeune. Je sens que ce vlog va être formidable. Allez, prise de température. Bon, à 37,8. Donc j'ai bien de la fièvre parce que 37, au-dessus de 37,5 le matin, c'est un syndrome infectieux. Et c'est le soir au-dessus de 37,8. Et ouais, j'ai fait médecine. Le plus pénible dans tout ça, c'est bah, déjà le manque d'énergie, mais la migraine. Ah là là là, c'est chiant. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il faut que je monte le vlog. Il faudrait que j'aille aussi pour chercher mon. Je sais pas trop ce que c'est, ils mettent que c'est une lettre, mais je crois que c'est plutôt un colis parce que ça passe dans la boîte aux lettres. Et puis, bah déjà, ça sera bien. Il est 13h25. Je viens à l'instant de terminer. Enfin, c'est pas encore terminé. Hein. Il y a encore 1h25 de téléchargement, mais tout est fini. Le montage, la miniature, bref, je vais aller manger. Et vous voulez que je vous dise, Eric est rentré et je l'ai même pas vu entre midi et 1h. Quand on sait qu'il est rentré. Hein. C'est une belle journée de Saint-Valentin, dis donc, tout ça. Je vous montre ce que je suis en train de me faire. Alors, bah, de la mâche, le filet d'huile d'olive, toujours mes petits dés de fromage basilic excellent, comme ceci. Et attention, tu suis, hein, Jackie, c'est important. Le bagel poulet. Alors, après un paracétamol, deux cafés, une douche, un montage de vidéo et une préparation, je me sens mieux. Et c'est une très bonne chose. Je vais en profiter pour aller chercher mon petit paquet. Eux disent que c'est une lettre. J'ai du mal à y croire. Donc je vais aller chercher ça. Et aussi, donc c'est la Saint-Valentin. Moi, Eric, c'est pas quelqu'un qui. Voilà, c'est pas son délire. Ce qui est son argument à chaque fois. Et il n'a pas tort. Mais bébé, moi, je t'aime tous les jours en fait. C'est tous les jours que je te fais des marques d'amour. Et c'est pas faux. C'est vrai, mais je reste une nana, vous ne direz pas le contraire, vous aussi. On aime quand même avoir cette petite attention, des chocolats, un petit mot, un petit truc. Je suis persuadée qu'il n'y pensera pas et je suis persuadée qu'il ne va pas le faire. Et du coup, je me suis dit, j'attends que le mobile passe. Je vais prendre les devants vu que ça va un peu mieux. Et je vais peut-être aller à Leclerc pour faire comme si, pour que ce soir on ait un petit truc sympa. Si je ne le fais pas, il ne le fera pas. Bon. Ça va, mais c'est pas non plus super forme olympique. Je crois que ça fait du bien quand même. Des fois, il faut se forcer quand on n'est pas bien. Mon médecin m'a toujours dit, quand on est malade, on essaie de sortir, en tout cas, on s'aère. Je suis en train de me demander, j'ai la flemme d'aller à Leclerc. Et comme il y a des commerces partout, sur ma droite, sur ma gauche, j'ai des boulangeries. J'ai de quoi faire. Il y a même des petites. Des traiteurs, enfin il y a tout. Pourquoi je resterai pas là? Je vais aller faire du repérage. Il y a du monde que j'ai pas, mais j'ai l'impression qu'ils ont fait exprès des petits gâteaux pour la Saint-Valentin. Peut-être que je vais y passer, je vais aller voir un petit peu là le traiteur. Ça m'attire jamais moi, tout ce qui est maillot, gelé, tout ça, bof bof. Non, non, non. Je suis revenue sur mes pas. Regardez, il y a des pommes d'amour. Je sais ce que je vais faire. Je vais aller à la supérette pour tout ce qui est bouffe. Et je repasserai peut-être par là pour tout ce qui est dessert. À moins qu'à la supérette, c'est des desserts sympas aussi. Je crois que je me suis fait une suée d'élimination de virus, mais aussi d'énervement. Il y a un connard qui s'arrête devant moi parce que bah, il doit s'arrêter, il y avait un stop. Un énorme 4x4 gris. Et là, il cale. Donc, très certainement, monsieur tellement fier, il se tape la honte, il s'énerve. Moi, j'étais derrière lui, hein, avec mes sacs, comme ça, parce que je suis allée à pied. Attendez, la voiture comme ça, moi, j'étais juste derrière. Et là, d'énervement, le gars, il recule, genre comme ça, avec son gros 4x4 sur moi. Et il est reparti. Et on les connards, tout ça, parce que monsieur a eu honte de piler avec son gros 4x4. Il a même pas calculé qu'il y avait quelqu'un derrière, mais ça aurait pu être dramatique à la vitesse à laquelle il a reculé. Il y avait mon gros sac qui a fait
Bah en fait, tampon ou j'en sais rien. En plus, j'ai la fièvre, donc ça m'a agacé deux fois plus. Bref, j'ai trouvé des choses. Pour faire plaisir à Eric, je me suis mis dans la tête d'Eric. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il aimerait? Alors, évidemment, qu'est-ce qu'il aimerait? Il n'y avait pas trop de choux en viande, donc bah, chacun un faux filet. Moi, c'est pas trop mon délire, mais voilà. Pour aller avec des grosses pommes dauphines, c'est pas mal. Et en dessert, j'ai fait 4 super pâtisseries. À chaque fois, il y avait un truc qui allait pas. On avait des mimi hein, avec des cœurs et tout. Donc, je me suis dit, bah voilà, ça, c'est ce qu'il aime le plus. Haagen-Dazs. Je lui ai pris celui-là, chocolat frappé. Et moi, je me suis pris celui-ci. Peanut Butter Crunch. Wow. J'ai pris 4 épars parce que je bois quand même 3 bouteilles, donc 1,5 litre en ce moment par jour. Mais je ne pouvais pas en prendre non plus. Hein. C'était trop lourd. Je me suis pris 5 oranges vitamines à fond. J'en prends le matin. Là, je vais m'en prendre une d'ailleurs. Donc ça, le colis, c'est You Are Cosmetics qui m'a envoyé ça, la marque, pour que je teste leurs 3 nouveaux lips, enfin les rouges à lèvres. J'ai pris ceci, toujours pour de la vitamine C, antioxydant, tout ça. Ça pour dépanner parce que j'en ai plus et j'aime pas du tout le lait de maquillage, j'utilise jamais, mais ils avaient que ça. J'ai pris des cotons. C'est bon, je suis redescendue hein, en énervement. Ah, c'est pas la première fois que ça m'arrive ça. C'est fou quoi. Tout ça par, ouais, par fierté. Mais bon, je n'en parle plus, je suis redescendue. Je vous montre les rouges à lèvres. Alors, donc déjà, ce sont des duos. Là, la couleur, c'est complètement mon style, natural pink. Beaucoup plus marronné, donc moins quand même. Et celle-ci, bah c'est pareil, non? Oh, c'est drôle. Cooper Rose, Rudy Pink et Natural Pink, donc évidemment celui-ci. Je vais l'essayer tout de suite, au passage, je les ai reçus gratuitement grâce à la plateforme Octoly. Je commence par enlever celui que j'ai. Application du rouge à lèvres. C'est confort, faut voir. Et j'applique le gloss. Bon, on est exactement sur mes couleurs. Les autres, j'ai bien envie de... Vous savez quoi? J'ai bien envie de vous les... d'en faire gagner un, deux peut-être sur Insta. Je vais faire des photos et je vais faire ça. Ah, quand je suis lancée, je vais faire la photo et je vais faire mettre le concours tout de suite. Donc au moment où vous verrez ce vlog, allez sur mon Insta si vous voulez participer. Chérie, tu es en vacances officiellement. Sais-tu quel jour nous sommes? Vendredi. Tu peux développer? Bien sûr. On est à la moitié du mois de février. T'es vraiment chiant. On est le combien? Le 14 février. Et qu'est-ce qu'il y a le 14 février? Je ne supporte plus, mais pas du tout. Hein. Ouais. Je ne supporte plus les injonctions à consommer. Oui, plutôt consommation. Et en plus de la consommation de masse, c'est pas de qualité. Il faut aussi le chocolat. Toi, tu prends ça parce que tu veux pas te rendre compte, mais c'est très grave que quelqu'un décide de tes besoins ou de tes désirs à ta place et en fasse quelque chose de standard, quelque chose qui soit identique à tous. Il faut que tout le monde consomme, tout le monde aime la même chose, que tous les goûts aillent faire la même chose. C'est très dangereux comme société. Je peux parler d'ailleurs, tu avais parlé concernant, vous l'avez vu cette pub Zarowski, c'est des gamins, et c'était quoi? Le slogan, c'est vrai que c'est abusé. Pour vérifier la force de votre amour, ouais, plus votre, en gros, plus votre bijou est gros, plus. Ouais, j'avoue. Aimer maintenant, c'est dépenser de l'argent. J'avoue. Comment est-ce qu'on voit qu'on est aimé? Bah, parce que la preuve d'amour, c'est un acte commercial. Il faut arrêter que l'acte commercial soit le centre de tout dans notre société. Aujourd'hui, dans notre société, comment est-ce qu'on mesure le bien-être d'une société aujourd'hui? Avant, on disait les gens sont heureux, ils vivent longtemps, en bonne santé. Maintenant, c'est est-ce qu'il y a de la croissance? Quand on en arrive là dans une société, c'est extrêmement grave. Et simplement que je dis, attention, arrête. Mais tu m'aimes quand même? Mais tu vois, c'est ça. Si j'ai besoin, un jour dans l'année, de te montrer que je t'aime, bah, c'est que je t'aime pas. Ils viennent pas. Oh, vous entendez la clé? Il est parti. Oh, mince. Papa, il est parti. Quand je vous disais que c'était pas son truc. Et toi, t'as ta petite Valentine, mon chéri? Le voilà. Thank you.
il y a pas de boîte, petit carreau. Il a pris sa bière. Il y a des petits cœurs. C'est vrai, c'est vrai. L'attention est là, bébé. Le petit plat de ce soir, en toute simplicité. C'est tellement bon, ces pommes de terre dauphine. J'adore.